Yo ho ho 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 yo ho ho. Nous sommes la Darox, je suis la Variel, et vous êtes en compagnie de Roxy et Fardal. Nous allons vous amuser, et pour votre information, nous vous souhaitons une merveilleuse et bonne après-midi. Yo ho ho ho, yo ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Yo ho ho ho, yo ho ho ho. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Avaria en compagnie de Roxy. Salut. Et de Fardalsan. Bonjour à tous. Et aujourd'hui nous sommes sur un épisode très spécial de Brutal Legend. Nous allons retrouver tous les artefacts perdus, hein, parce que voilà. Ça va peut-être être un épisode chiant pour vous. Si pas, si oui, dites-le dans les commentaires. Si pas, dites-le dans les commentaires. Et abonnez-vous. Et nous allons débuter cette vidéo là tout de suite. De toute façon, ça vous fait chier, t'as du pauvre. Alors, on est à la recherche pour l'instant des garages de métal. Oui, le premier tout près. Hein. Garde peut-être la carte en même temps. Feu select pour voir la carte. Select pour voir la carte. Tu vois, tu allais plus à gauche. Oui, oui, mais y a pas de, y a, en fait, il n'y a pas de route, hein, c'est embêtant. Bah, c'est la route de gauche. Et ah, mais je l'ai vu, il est là-bas en fait. Il est juste là. Voilà. Ah oui. Il est juste. En fait, il est juste très visible en fait. Hein. Il est là. Ouais, je fais pas attention. Et Il se déterre. Et nous allons peut-être. En même temps, peut-être dans cette vidéo, nous allons peut-être améliorer notre voiture. Nous avons 200 tribus de feu, hein. Tant qu'il y a, c'est vrai que. Voilà. Bonjour, gardien du métal. Et nous avons toujours une pièce bizarre. Salut, alors ça roule? Alors que dans les autres vidéos, il n'y avait pas de pièce. Métal, bruit. Ouais, je sais pas c'est quoi la pièce, c'est un peu plus gros. Oh, il est pas gratuit, mais il faut l'acheter lui! Attends, achète pas ça tout de suite. Non. Achète. Il y a Ophelia maudite, mais non. Un traitement de hache? Non, on peut pas encore. Non, moi je dirais une amélioration de la bagnole. De la bagnole? Attends, regardez s'il y a. Mais en arme principale, il y a moyen d'acheter les lanceurs d'éclairs ou les détecteurs de chaleur. Missile à tête chercheuse montée à l'avant du véhicule. Ou alors charge électrique montée à l'avant. Comme tu veux. Alors, mais si on achète ça, on ne peut plus acheter autre chose, hein. Tant pis. Mais regarde ce qu'il y a d'autre intéressant. On va d'abord regarder. Il y a un arme secondaire, il y a 6 bouffeurs. Ouais, non merci, et lui, non merci. Et voilà, yes, amélioration de la DU, on a à fond. Les figés, on s'en fout. Et donc, il y a une nouvelle corde de guitare, c'était autant aussi. On ne peut pas la voir. Et on a pyromane, on peut pas, pas l'avoir non plus, donc tu choisis une amélioration de bagnole. Donc une amélioration d'armes. Ouais, et en même temps tu pourras changer la couleur d'autre. Entre laquelle et laquelle? Celle-là aussi. Lanceur d'éclairs et la peinture. Ah mais la peinture elle est gratuite. Je vais dire. Ou alors j'avais déjà tout acheté, je sais plus. On met quoi, plein aux as? Comme tu veux. Non, on va mettre plein aux as. Bon bah à plus, gardien du métal. Ensuite, la seconde, elle est où? La seconde, je pense qu'elle est... Il me semble qu'il faut continuer à gauche en fait. Ouais. Bien monté, toujours. Et maintenant, nous avons... Oh ouais, des espèces de laser. Oh, oui. T'es tout droit, là, c'est ça? Ouais, mais il dit tout, droit, et le gars, il tourne. Là, je me dis tout droit, là. Mais c'est parce qu'il faut pas suivre les... Je sais pas, select. Non, select, pas faster. Ouais, non, je vais continuer.
je peux continuer en fait, je peux continuer la route en fait. Et au lieu de tourner là, je dois continuer ma route. Allez, allez. Et en continuant ma route, qu'est-ce que je vois? Ah non, est-ce que je pense que c'est un... Un dragon? Un dragon, ouais. Là. Parce que cette fois-ci, on recherche tout. Et oh mon dieu, non. Mais non, je dois charger la manette. C'est pas grave. Arrête de tirer, c'est chiant. Merci. Et là, il y a quelque chose? Non, on fait un garage, puis tu feras les dragons. Ne te fais pas. Il y a des manettes. Est-ce que par je où, par là au ou... bon endroit? Oui, est-ce que je suis au bon endroit? Oh, mais là, il y a un saut. Voilà, c'est un saut en plus. Ouais, ouais. C'est juste... Ah, il est ouvert, lui, ouais. Il y a un garage métal ici, quelque part. Juste là. Ce serait ça. Non, c'est pas possible que ce soit. Ah non, c'est pas ça. Mais là, il y a un truc bizarre. Quoi. C'est plus en bas, non? Select. Ouais, c'est beaucoup plus bas. Ah bon, bah, c'est beaucoup plus bas, mais comment je peux descendre? De par là. Ouais. Ici, disons, c'est à dos gauche. Ah, il y a un dragon. Là, il y a un dragon. Tu prends le dragon. Non, tourne. Oh, ouh, ça, c'était le sautage. Oh, et plus qu'un avant d'avoir 40 dragons. Mais je ne vois toujours pas le garage. Ouais. Et comment est-ce qu'on freine encore dans le jeu? Rond ou carré ou R2? Non, en arrière. Oui, on y tourne en arrière, mais il tourne pas en arrière. T'es vrai, c'est vraiment plus bas? En arrière, ouais, ouais c'est là. Ah, ok. Est-ce qu'il y a... Je vois vraiment pas sur lequel. Ah, il est peut-être là-bas dans les arts. Oui, ici, il me semblait, mais t'as continué quand je t'ai dit il est là. Mais ici, il y a plus rien. À droite. À droite, mais si je descends à droite, je tombe. J'ai pas dit de descendre non plus. C'est encore plus loin, tu vas retrouver dans la ville. Encore plus loin. Oh non, 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 non. Franchement, la dernière sur le cas, t'étais pas loin, t'avais peut-être dans le garage. Non, non, non. Je le vois vraiment pas, ouais, il est vraiment tout petit, tout moche. En fait, il est vraiment près de la falaise, quoi. Ouais, on dirait. Vas-y, invoque. Et on va invoquer. Et alors, nous sommes... Ah ouais, nous sommes... Ah, alors, vas-y, à droite. À gauche, pardon, ouais, vas-y. Vas-y. Longe la plage, je suis sûr, faut que tu longes la plage. Mais si je longe ça, je vais tomber, ouais, ouais. Tu dis longe la plage, pas te casse-toi la gueule. Il y a une énorme différence. Va tout droit. On continue. Je continue tout droit. Il est libre. Et là. C'est un arbre. Non, 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 rien. Là, il y a un truc sur une musique. Ouais, ouais, quelque chose. Est-ce qu'on l'a débloqué ou pas? Non. Alors, on va le faire. Je pense pas du moins. Je vois pas comment c'est. Je... Ah non, j'ai pas développé. Et voilà, nous avons débloqué. Un morceau de guitare, mais lequel? Lequel? Ils vont nous le dire. Ils vont nous le dire. Girlfriend. Keep it, je crois. Ah ouais, c'est la musique du début, je crois, non? Je sais pas. Quand il dit que le monde est mort. Regardez la carte, oui non c'est comme ça. C'est plus loin, après le pont, bien après le pont. C'est beaucoup plus loin. C'est bien après le pont je te dis. Ah non je dois remonter. Hein. Ah non, je peux pas mettre ici. Monte, oh là là, t'y revois après, t'es chiant.
Les dieux du métal t'ont apporté un échantillon du feu d'Armageddon pour libérer le pouvoir du feu. Le feu d'Armageddon porte tes ailes, ce qui augmente légèrement ta vitesse de vol. Sabristi des dragons, on a débloqué un trophée. Là je suis, on va regarder sur la carte. Ah ouais, mais non, c'est chiant. Plus à droite, un peu plus à droite. Un peu plus à droite, tu es sur droite, c'est de l'autre côté. Voilà, tout droit. Ah, stop. On va s'arrêter ici. Oh, encore un morceau de musique. C'est ce qu'on a jamais été dans ce coin-là. Encore un morceau de musique. En fait, non, franchement, là. Bon, en fait, on suit bien les routes. Hein. Et une nouvelle musique. Jordan Tequila de Riot. Et là il y a un saut à faire. C'est pas possible, hein. Ah, normalement après on a tout de ce côté-ci, on va aller de l'autre côté. Élève-toi, portail ancestral du monde souffert. Le garage métal est débloqué. Oh, c'est bon, c'est pas l'arbre, oh la conduite. Par là, ouais, voilà. T'es un peu plus loin. Tactile. J'ai d'aller plus loin en plus, hein. Bah là, ça ira, hein. Ouais. Ouais, c'est bon. On s'en fout, il distribue le feu. C'est temps. C'est un peu bon. Ah bon, on peut acheter la... Après c'est... Est-ce qu'on l'a écouté, ce solo? Ok. Est-ce qu'on l'a écouté, ce truc? Oui. Ah ouais, c'est le truc de la... l'araignée. Bon, là, les dragons, ils vont tellement. Tout le temps, c'est abandonne l'idée de faire. Non, on va abandonner l'idée parce que c'est vrai qu'il y a énormément de dragons, énormément de trucs, et je pense que ça va vous embêter en fait. Plus ça, je fais du temps maintenant. Ouais, ouais.
Je ne sais pas, c'est où d'ailleurs. T'as mis une mission annexe. Oui, oui, j'ai mis une mission annexe. Mais je vois un pont bizarre. Et... On s'en fout du pont. Va à la mission. J'essaie de rouler, mais vous savez bien que moi la conduite. Hop, hop. Gauche, droite, mais je continue, j'étais bien là. Ouais, mais là je suis pas monté dans la montagne, hein. Ils sont cons, c'est là. Vas-y, je me tourne. T'es où? Il me demande de tourner par là maintenant. C'est là. Là je suis exactement. Ouais, ça va, il commence à venir. Ah, ouais, bon, ok. Oh, mais LGP, c'est. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. LGP, c'est fait n'importe quoi. Voilà, le gros jeu. Ouais, ouais, LGP, c'est fait n'importe quoi. Mais non, il te met sur une route. Je vois pas de route là. Là non. T'es sur la route. Là tu vois bien que ça clignote pas. Arrête de tirer, je m'énerve. Ouais, c'est chiant. Parce qu'il y a des moments où ça. Ah, tu peux. Non, il fallait par là. Non. Il fallait pas les escaliers. Si. Ah, ouais. On peut se voir. De toute façon, on va. On va aller dans la neige avec les gros trucs dégueulasses. Et d'ailleurs, regarde si il est découvert. Ouais, on va aller voir. Bah non, si tu veux. Ouais, ça a l'air d'être enneigé, mais on peut quand même aller voir. Ouais, mais dégage. C'est pour ça que tu tires sur ma route en fait. Pour les désintégrer avant de conduire. Il y a des ennemis sur la route et ils me cassent les couilles. 17. Il est décongelé. Non? Non, sinon ce serait vert. Eh, t'es décongelé quand même là. Non, il est décongelé. Parce qu'il avait déjà fait congeler. Maintenant, il faut qu'il le fasse décongeler. Et c'est qui? C'est qui? Franchement, il a la même épée que l'Arx en fait. C'est qui? Je sais pas en vrai. C'est ton père! Attends pour dire ça, ok. Je crois que c'est quelqu'un de connu. Dans le jeu, il est connu. Bah, attends qu'on. Ah, c'est le père de Eddie en fait. Mais c'est pour ça que je dis que c'est son père. Bah, au début, je pensais que c'était l'Arx, il a exactement la même épée que l'Arx. Donc, et là, ça ressemble à son épée. En gros, l'arc serait tombé. Non, il a juste piqué l'épée du frère. Un connard, en fait. Bah, il est quand même mort. Tous les connards meurent. Il y a un truc où là-dessus. Non, c'est pas grave. À gauche, qu'il dit. On se promène tranquillement en bonne décure. Tu vas où? Quelle mission? C'est là où mieux quelle mission? Ok, il me demande d'aller par là et puis de tourner de l'autre côté. Il y a trois et il y a un dragon. Bon, on va le faire. Hein. Alors, on disait qu'on abandonnait l'idée, mais. Ah, si on tombe dessus. Quand il tombe d'un coup comme ça, quand on les prend, ça fait toujours plaisir. Vous n'allez pas. Ouais, c'est bon. Alors, vas-y.
San qui va faire le saut, il va essayer de faire le saut parce qu'il faut vraiment qu'on réussisse à faire ce putain de saut à la con. Et si tu vois des chevaux, Fardal, dégomme-les. Hein. C'était ici ? Des chevaux. Dégager une légende. Attends, on se fait. Voilà, une légende de métal est dégagée. Et on va la regarder parce que c'est vrai que là on n'a pas regardé. Nous sommes à 21 minutes de vidéo. Tu fais quand même une mission. Ouais, les dieux du métal. Oh oh. La fenêtre après est ouverte. Après des millénaires de croissance et de progrès, les titans étaient devenus des entités géantes. Spirituellement parfaite et omnisciente, auquel la surface de la Terre ne suffisait plus. À l'apogée de leur évolution, ils s'élevèrent vers les cieux pour devenir des dieux du métal. Des dieux du métal. Avant de quitter le sol, ils laissèrent des instructions au sujet du monde qu'ils avaient créé. Ils apprirent aux araignées à tisser des cordes de guitare et aux arbres à faire croître des pots d'échappement en guise de branches. Ils gravèrent des hiéroglyphes expliquant comment assembler ces éléments. Ils inscrivirent enfin en lettres lumineuses « Nous offrons nos secrets aux générations futures afin qu'elles découvrent la gloire du métal. » Et nous allons continuer, c'est Fardal qui a la manette. Hein. Et on va écouter sur une musique de Zoom Club de Bungies. Hein. Bon, du coup, on fait droit. Parce que... Moi, je proposais qu'on continue la route et qu'on aille faire. Je vais faire le saut. Ouais, s'il veut bien faire ce saut. Ouais, on y est presque. On se promène tranquille, on botte des culs. Bah allez, bottez vos culs alors. On est en patrouille. Non, le saut est-il là? On a vraiment du mal, je vais vous trouver. Venez apprendre vos leçons de conduite avec la Drox. Non, ils sont pas dans la merde. Vous avez toujours voulu ou rêvé d'avoir une PT pour votre permis théorique? Venez étudier chez ladarox.com. Et on l'a. Ah, il m'énerve ce saut. C'est grave, il va faire de l'autre côté, c'est sûr. Ce saut m'énerve. Ce saut me saoule. Et ce saut va nous tuer, va nous décapiter, va nous baiser, va nous tuer jusqu'à notre bout. Souffle et ben voilà, en fait on va juste démolir la bagnole et essayer de faire le saut de l'autre côté. Mmh. Eh ben la barrière a baillé pendant que les cochons d'Inde font cuit. Nous allons faire ce saut. C'est le saut de la chance, de la victoire, nous allons l'avoir. Putain! Ma gueule ce putain. Saut! Putain! Non! La galère des sauts. Et là, il est en train de danser sur la gueule.
qu'on va l'appeler Acrobatie, ce truc. Non, on appelle Apprenez votre famille avec la Rox. Allez, c'est toi, c'est une jeune. On l'a maintenant, cette fois-ci on l'a. Ouais. Et oui, et oui, et oui, grâce à Fadalsan, nous avons ce saut horrible. Tu vas où, ce saut de l'enfer. La mission. Ce saut de l'enfer. Si tu vois un cheval, dégomme-le. Mais ce saut horrible. Qui était jusque dans mes boyaux explosifs. Ouais, ah, bah c'est bon, continuons, ça c'est bon. En fait, ouais, voilà. Ah, par contre, dans cet endroit, ça va être dur de voir les chevaux. Enfin, les. Qu'est-ce qu'il dans dit le sens, ça peut... les dragons, ça va être compliqué de les voir dans cet endroit. Et tous les trucs, les artefacts, ils vont être compliqués à trouver. C'est hyper sombre, vert, on voit que. Mais il y en a beaucoup moins dans ce côté-là. C'est surtout Bleden, ce que. Ça peut être assez. Il y a des mots, il y a des panthères dégueulasses. Qui tirent des lasers. Qui tire le laser des yeux. Avez-vous déjà vu ça dans la vraie vie? Si oui, dites-le dans la vidéo. Et on peut être ouvert à tout paranormal, hein. Ça n'a pas encore vu. Oh, c'est beau. Oh, regardez-moi cette ville. C'est magnifique. C'est surtout noir. Sombre et dégueulasse. Ah, il y a un trou bizarre dégueulasse. Ah, ben voilà. Bonjour la chauve-souris. Oh mon dieu, une chauve-souris. Voilà, elle reprend la manette. Et on dit les Beetlejuice, les gars. Regardez, regardez, il a la tête de Beetlejuice. Ouais, j'ai un problème. Mon problème, c'est que t'es en train d'attaquer Beetlejuice. Alors, viens-toi, tu d'ici ou je t'arrache la tête avec les dents. Vas-y, chérie. Sauve les vrais. Personne ne connaît Beetlejuice. Ah, c'est ça, t'es entré chez nous par effraction pour la beauté du appelez-le, il arrive chez vous. Je me promène, c'est une zone publique. Ben tiens, on me l'a jamais faite. Les chauves-souris, ça vit dans des grottes. Ouais, ben, il y a un squatter dans notre grotte. C'est qui le squatter? Il est moche. Ça, je peux t'en débarrasser en moins de deux. Ah ouais? Tu me prends pour un jambon ou quoi? Non, je vais entrer, poser deux, trois tapettes. Tu crois qu'il va mourir comme les autres, papa? J'espère que non, j'ai un coup de soleil au cul. Vire les squatters de la famille chauve-souris. C'est sérieux, on doit aider les chauves-souris à retrouver leur maison. C'est des chauves-souris bizarres. Alors là, hein, on est bien tombé très bas. C'est quoi ces chauves? C'est des squatters. Qu'est-ce que c'est que ces choses dégoûtantes? Des chauves-souris moches. Non. Alors, quelles sont ces... Elle est morte, hein, tu peux avancer. Comment appelle-t-on ces créatures, Fardal? Je n'ai aucune idée. Parce qu'on est déjà à l'avance, donc... Parce que nous sommes... On dirait des trucs funèbres, dégueulasses. On fait souvent que les créatures en vont chasseur avec le château de l'humanité. Ah non, moi c'est les animaux qu'on trouve. C'est vraiment... Parce que si on était chasseur, enfin... T'aurais dû mettre un bavoir, maintenant t'as du jus de visage partout. Non, ça marche pas sur les yeux. Bah y'en a un tel quoi. C'était lui, le
continuer à taper. Ouais, d'ailleurs, je les ai appelés, mais. Peut-être parce qu'on donne. Wow, nouveau croquis débloqué. Victoire brutale! Et je crois qu'on va se quitter sur cette magnifique victoire. Hein. Ouais! Ça a du bon d'avoir un homme, un vrai. Hey, j'ai entendu! C'est dégueulasse! Hey, merci d'avoir libéré la maison! Et pardon d'avoir chié sur ta tête! Hein? Bon. Oublie ça. Eh, hey, mec. Donc, on va s'arrêter ici. Donc nous allons nous arrêter ici. Je vous souhaite une bonne après-midi, c'est un très bon amusement. Je vous demande de liker cette vidéo si vous l'avez aimée ou si vous n'êtes pas, ou si vous n'aimez pas la variété, bien sûr. Hein, voilà. Et abonnez-vous. Allez, et ouais. Bye tout le monde. Salut. Bisous bisous. Salut tout le monde. À la prochaine. Bisous bisous.